Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Hazard. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc, on se retrouve pour une tentative mob en QG de mon ami Shaky Skyzy. Je fais cette vidéo donc car j'avais eu une semaine d'absence. J'étais en formation BAFA. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer. Donc, c'est une formation qui permet de devenir animateur. Pour les enfants, donc pour travailler dans les centres de loisirs, camping, etc. Donc déjà la formation se fait en 3 points, donc il y a la formation générale donc, que j'ai fait, après suivi de l'approfondissement et du stage pratique. Donc si vous voulez plus de renseignements, hein, vous irez voir sur le site internet, je crois c'est maformationbafa.com. Donc déjà excusez-moi pour ma voix, mais durant la soirée le jeudi soir, on a eu un jeu, c'était le Burger Quiz, je crois, c'est ça, ouais, Burger Quiz. Ah, au passage, petite triple de Skyzy. C'est un jeu qu'il y avait sur Canal+, présenté par Alain Chabat, je crois. Comment dire, c'est des mini-épreuves, donc on avait des blind tests, des questions sur certains points. Donc, j'étais en compagnie, d'amis que je m'étais fait là-bas et on a perdu à 1 point, donc on a été pour passer au burger de la mort, donc l'épreuve finale, fallait avoir 25 miam, je crois que ça s'appelait comme ça, et nous on en avait 24, on était devant, et à la fin ils ont fait une question à 10 miam et on s'est fait piner sur le blind test comme hier soir sur un jeu qu'on a fait, donc vendredi tout est permis, on était en tête, on a perdu sur le blind test encore une fois, donc on n'est pas très doué sur les musiques. Donc au passage, il débloque ses atouts spécialistes. Donc j'ai pas vous commenter tout le gameplay, hein. Je couperai au milieu quand vous verrez le score qu'il fera. Durant la semaine, on a fait des animations, donc on a fait des grands jeux. Moi par exemple, j'ai fait une course, une chasse au trésor, pardon. Tout le monde a bien aimé. J'avais fait le shérif Walker, donc on était les cowboys et tout, donc ils ont tous kiffé. Là je tenais à remercier parce que Emily, donc ma formatrice, donc je suppose qu'elle regardera cette vidéo, vu qu'elle active Call of. Tous ceux qui étaient avec moi et qui vont s'abonner à ma chaîne, qui vont regarder mes vidéos. Je vais vous présenter de toute façon le gameplay. Je vous ai même pas présenté la classe, mais je crois qu'il avait MP7, condition extrême, assassin et rapport, je crois. MP7, grande cap, silencieux. Voilà. Donc, il ramasse des vaisseaux balistiques là. Voilà, on s'en fout. Durant cette semaine, donc il y a eu des bons moments et des moments moins drôles. Notamment, on était, je crois, 24 élèves, plus les deux formatrices, je crois que ça faisait 26. Y a une personne qui est partie mardi soir, je crois. C'est une personne, je crois, qui avait 42 ans, donc qui se sentait rejetée, enfin, ne trouvait pas sa place parmi nous. Depuis le début, en fait, de la formation, j'étais avec Aurélien, donc un pote à moi, donc je me suis fait là-bas, et Mélanie, donc une personne que j'appréciais beaucoup. Et qui malheureusement, on va dire ça comme ça, s'est fait virer jeudi soir, donc avant le grand jeu, donc c'était très dur. C'est une personne que j'appréciais beaucoup, elle s'est fait virer parce que, elle a accumulé les petites erreurs, et elle a volé un gâteau dans un sac d'une meuf de sa chambre parce qu'elle avait faim. Donc après elle a été lui dire qu'elle avait pris un gâteau, donc l'autre elle a pété un câble. Et donc on a fait une sorte de réunion pour s'expliquer comme quoi c'était pas bien et tout. Donc elle a d'elle-même a décidé de partir le vendredi matin, je crois. Donc j'ai tout fait pour la faire rester. Et en fin de compte, elle s'est fait virer car elle avait appelé sa mère. En fait, il y avait un atelier cuisine. Donc moi j'étais sur l'atelier handicap parce que la veille j'avais fait l'atelier cuisine et eux ils avaient fait l'handicap et là, ils avaient fait cuisine. Et en fait elle a pété à l'atelier cuisine, donc j'ai été la voir avant que mon activité commence pour pas arriver en retard. J'avais été la voir et elle voulait absolument partir et je pouvais pas rester plus longtemps pour la convaincre parce que sinon j'allais arriver en retard et j'allais me faire déchirer.
Donc elle a parlé avec sa mère au téléphone. Et après, je parlais avec elle et elle est retournée faire l'atelier cuisine. Et elle a répondu au téléphone, sa mère l'a appelée pendant l'atelier et elle a décroché. Et on va dire c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et puis, Emily, celle qui me suit, enfin qui joue à Call of, elle l'a pas supporté et puis a décidé de la virer. Donc elle est partie le soir même. Voilà. Donc de toute façon, on reste en contact. On fera des trucs avec tout le monde. Donc notamment Jonathan, je pense qu'il regardera la vidéo. Enfin, je pense, hein, qui lui habite Royan, donc elle aussi habite Royan. Et on se fera, je pense, on se fera un gros truc. Donc peut-être que je ferai une vidéo IRL, on verra. Ça m'étonnerait, mais bon, pour voyer la tête des gens. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble, je crois, Mélanie, donc les photos sur son Facebook. Donc vous trouverez mon Facebook sur ma chaîne dans le lien de la description, je crois. Je crois que vous pouvez accéder à mes trucs personnels. Donc là, vous voyez Skazi dans une bonne série. Je sais pas combien il est là. Je pense qu'il va pas tarder à faire un trou. Ça fait déjà 6 minutes, ouais, bientôt 6 minutes 30. Voilà. Donc au passage, Géant Bafa. Donc avec une bonne appréciation. Donc un grand merci à Emily et Céline. Et une petite anecdote. Si vous connaissez Madagascar, si vous avez vu Madagascar 2, dedans vous devez sans doute connaître Motomoto. Motomoto qui le gros hippopotame qui on voit dans le film sort du lac là quand ils atterrissent dans la savane et ils font oh, Motomoto et là, il fait tu le vois marcher avec l'épée qui est tout les petites jambes il marche comme un beau gosse et tout il fait je les aime gros. Je les aime bombés, je les aime grands, je les aime potelés. Il y avait un animateur qui était là-bas, là, il s'appelait Florent, et c'était le même. Alors à chaque fois qu'on le voyait, on se tapait des putains de barres. Mais c'était un truc de ouf. Et d'ailleurs, il a le jour, enfin aujourd'hui, donc on était samedi, on est samedi, donc le jour où je fais la vidéo, donc je suis juste rentré de ma semaine de formation. Et franchement, il est doué, hein. Il a un putain de tempo, il nous avait fait. Je vous ai fait faire un truc rythmique, mais c'était, je me souviens plus du nom exact, mais tu sais, c'est quand on tapait sur les genoux et tout, et ça faisait un truc assez classe. Et voilà. Donc, je sais même plus quoi dire, ça fait en plus ça fait longtemps que j'ai pas joué. Oui, là en ce moment, je rends upload sur Facebook les vidéos qu'on a tournées pendant la semaine. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, donc Emily, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas dessus, hein, y a que Mélanie qu'on verra, on apercevra Mathilde et un peu Aurélien, mais surtout Mélanie. Qui était un peu. Enfin, qui était marrante, on va dire ça. Si vous regardez les vidéos, vous verrez. Puis voilà. Je pense que je vous ferai la vidéo de toute façon dans pas longtemps. Je vous continuerai à faire quelques vidéos, je pense, sur MW3 avant la sortie de Black Ops 2. Donc la première sortie que je ferai, ce sera la vidéo déballage du coffret BO2. Donc l'édition Care Package à 180 euros. Donc je sais que ça intéressera particulièrement Emily. Donc. Emily, je laisserai dans la description de la vidéo si tu veux mon mail. Si tu veux m'envoyer un message ou tu laisseras un commentaire et puis je te répondrai parce que de toute façon j'ai ton mail. Mais au cas où j'oublie de t'envoyer un message ou quoi que ce soit. Hop là, le téléchargement a échoué. Donc ça fait plusieurs fois que j'essaie de re-upload la vidéo. Ça marche pas, ça m'énerve. Voilà. Là, j'ai le seum parce que je viens de regarder ma vidéo que j'ai fait, le let's play sur Forza, était interdit dans certains pays. Parce que. Il y avait. Là, il est. Je sais pas pourquoi il fait ça, sachant qu'il avait encore les vestes balistiques, mais bon. Que la vidéo sur Forza, en fait, était interdite dans certains pays parce qu'il y avait. Des droits d'auteur qui n'étaient pas respectés. Mais en fait, c'est les vidéos qu'il y a dans. Les musiques qu'il y a dans le jeu, un copyright qui ne permettait pas d'upload. Donc, elle est interdite en Allemagne, dans les îles aux alentours des États-Unis. Donc, c'est pas. C'est pas très grave. Voilà. Je vais vous dire. Voilà, donc là il doit être aux alentours de 22 ou 23 kills, je pense. Il doit pas être très loin de sa mob. Voilà, donc je couperai la vidéo après. Voilà, et voilà, il se fait tuer par un P99 Rapid Fire. Regardez ça. Voilà, alors qu'il avait les vestes balistiques. Ah, je vous dis ça, une assistance de sa mob. Donc c'était hasard. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et toujours petite dédicace à Emily.
Mélanie, Aurélien, Mathilde, Jonathan et Pierrick, parce que je pense qu'il regardera la vidéo, et peut-être Florian. C'était Hasard, et bah, je vous dis.